Coucou les amis, c'est Karen sur la chaîne de Cas Concrets. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver. Je vais vous parler d'un sujet que j'aime, qui me tient particulièrement à cœur, à savoir l'incarnation. Pourquoi est-ce que nous nous sommes incarnés sur cette terre et qu'est-ce qu'on est venu y faire sur cette terre? Alors déjà, il faut que vous compreniez que la terre, c'est une école. Donc nous sommes une âme qui avons choisi de s'incarner dans ce corps, enfin ce corps le mien, mais d'autres corps avant, vous dans votre corps, pour une bonne raison. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si vous avez choisi de tomber dans telle famille, avec telles épreuves. Il n'y a aucun être humain qui est parfait, hein, que l'on soit bien d'accord. Donc peu importe l'éducation que vous avez reçue, qu'elle ait été très facile ou très difficile, quoi qu'il en soit, il y aura eu des erreurs dans les deux types d'éducation. Et de ces erreurs découleront un peu des traumatismes d'enfance et des choses comme ça. Donc, quand on plonge dans la matière, on perd totalement la mémoire et on oublie que l'on s'est incarné dans ce corps et que c'était un choix délibéré de notre part. Et donc tout le but de notre vie va être justement de retrouver un peu la mémoire et de retrouver notre mission de vie. La raison pour laquelle on est venu sur cette planète, donc la raison pour laquelle on est venu, mais aussi du coup pour atteindre cet objectif, cette raison pour laquelle nous sommes venus, dans quelle mesure il va falloir qu'on se guérisse de traumatismes et de blessures et qu'on arrive à les transcender pour aller au-delà de ça. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, mais si votre rêve c'est de monter sur une scène devant plein de gens et de chanter et que vous êtes né et que vous êtes totalement introverti et que vous n'êtes pas capable de sortir un son devant des gens, et ben voilà, ben votre travail à faire sur vous, ça va être justement d'arriver à prendre confiance en vous afin que vous puissiez justement aller monter sur scène. Et puis alors je vous dis chanter sur des gens, mais c'est pas la mission de vie, c'est pas vraiment de chanter. Chanter, ce n'est qu'une expression. La mission de vie, ça sera de faire passer un message aux gens, d'inspirer les gens. Vous voyez, c'est pareil, je sais pas, quand on parle de réussite par rapport à des sports, voilà, le football par exemple est très très aimé. Les enfants ils sont inspirés par ces stars de football, c'est parce que pour eux, voilà, c'est vraiment ils ont réussi, donc voilà, techniquement ils sont très bons dans ce sport, ils sont très bons, mais du coup vu qu'ils sont très bons, ils sont aimés par les gens, et puis en plus ils gagnent beaucoup d'argent. Enfin oui, il y a tout ce qui va, il y a la raison, et puis il y a tout ce qui va avec la raison pour laquelle nous nous sommes incarnés. Donc en fait, quand on s'incarne aussi, on vient régler en fait aussi les fautes, ce qu'on pourrait un petit peu appeler le karma. Alors attention, il y a plusieurs sortes de karma, mais on va dire, voilà, on vient régler les fautes de nos vies aussi précédentes. Alors c'est pas que vous venez payer l'addition, hein. Attention, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que du coup, vu que vous n'avez pas réussi à le régler dans la vie précédente, et que votre âme, c'est la même, hein, c'est juste vous dans ce corps, là, dans la matière, quand vous avez plongé dans la matière et dans ce corps, vous avez oublié que vous êtes venu pour ça. Mais vous êtes toujours la même personne, l'esprit, hein, enfin, l'esprit, l'âme, enfin, bon, je ne veux pas rentrer dans les considérations comme ça, mais votre âme, on va dire, voilà. Donc, vous êtes toujours cette âme, vous avez toujours la raison pour laquelle vous êtes venu vous incarner ici. Et du coup, voilà, sur Terre, ça va, vos expériences de vie, votre père, votre mère, même si y a un de vos deux parents, par exemple, qui est absent, soit parce que malheureusement, et vous l'avez perdu quand vous étiez petit et que du coup, vous avez dû vous construire sans lui ou sans elle, ou bien même si vous ne l'avez pas perdu, mais qu'il est parti et puis qu'il vous a abandonné. Enfin, voilà, peu importe. Mais ça veut dire que vous avez des blessures à régler par rapport à ça. Et donc, la vie, tant que vous n'aurez pas compris que c'est là-dessus que vous devez travailler, elle va vous représenter à chaque fois les mêmes schémas pour vous dire, regarde, c'est ça que tu es venu faire. Donc, s'il te plaît, regarde et bosse dessus. Voilà, fais-toi aider si tu ne sais pas comment bosser tout seul. Mais regarde et bosse dessus. Donc, voilà. Donc, le but, c'est toujours de nous perfectionner, d'évoluer et de grandir. Quand on est une âme toute neuve et que c'est notre première incarnation, bon, croyez-moi qu'on est un petit peu...
Je ne passe pas dire mot là, ce mot-là, mais on est un petit peu des bons égocentriques, quoi, des bons égoïstes, on pense qu'à nous, quoi. Voilà, on est tout neuf, shit, hop, on pense qu'à nous. On est vraiment venu là pour expérimenter cette première expérience, donc bah, forcément, le reste autour, on s'en fout, quoi. Ce qui nous importe, c'est nous. Et puis après, en allant sur vos chemins de vie, donc il y a neuf chemins de vie. Enfin, en réalité, il y en a plus que ça, mais ils sont numérotés de 1 à 9. Et puis, il y a le 11, le 22 et le 33 qui sont des maîtres nombres, mais voilà, qui peuvent être assimilés, qui sont à part. Donc, sinon, on va dire qu'en général, il y a 9 chemins de vie, globalement. Et donc, voilà, si vous vous êtes incarné dans un chemin de vie 1, eh ben, vous allez beaucoup penser à vous et vous allez être très, très centré sur vous. C'est comme ça, voilà, c'est pas méchant, c'est comme ça. Par contre, les chemins de vie 9, ce sont par exemple des gens qui sont beaucoup plus altruistes, qui sont beaucoup plus tournés vers les autres, mais eux, leur défaut, c'est que du coup, ils vont s'oublier eux-mêmes. Donc, vous voyez, il y a des challenges dans chaque chemin de vie. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment sympa, sympa pour ça. Voilà, donc, et les gens qui n'ont pas conscience, en fait, qui ont vraiment l'impression que, bah, je sais pas, la vie, ça arrive comme ça, c'est du hasard. Bon, ok. Et ben, ces gens-là, malheureusement pour eux, bah, du coup, ils vont essayer de combler uniquement des besoins matériels. Et la plupart du temps, eh ben, ça ne les rendra pas très heureux. Parce que bah, le matériel nous comble jusqu'à un certain niveau, mais le matériel, il ne peut pas acheter l'amour, le matériel, il ne peut pas acheter la reconnaissance ou la gratitude des autres quand on, ou le partage, ce qu'on peut ressentir quand on partage avec des autres. Donc, voilà. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur l'incarnation. Encore une fois, j'essaie de vous faire des formats courts, donc évidemment, je n'ai pas tout développé, vous vous en doutez bien. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Je pourrais éventuellement du coup, je sais pas, refaire une vidéo, voilà. Merci d'être encore là, n'hésitez pas à mettre un pouce ou plusieurs si vous avez aimé cette vidéo et puis à la partager avec votre entourage pour en faire profiter un maximum de monde. Je vous embrasse, à bientôt, bye.